Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau cours tonique aujourd'hui. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'un tapis et d'une chaise, mais aussi de bonnes chaussures, puisqu'on va devoir effectuer des sauts. N'oubliez pas la serviette et puis une bouteille d'eau parce qu'il y aura besoin de s'hydrater. Voilà. La première partie sera destinée au cardio et puis après on enchaînera avec du renforcement musculaire, notamment au niveau des fessiers et ensuite les abdominaux. Finira ensuite pour un tout petit peu de stretching. Voilà. On commence l'échauffement et puis je vous expliquerai le reste au fur et à mesure. Allez. On commence à marcher. Monte les bras. Et on relâche. Encore. Encore trois.
Légère flexion et montée de bras vers le haut. Si on ne peut pas, on a le choix de dégager en montant les bras. Deuxième exercice, on est sur les squats. Attention sur les squats, de bien garder le dos long, les genoux ne passent pas en avant, on reste bien ici. On descend, on remonte, on inspire, on souffle. Ok ? Le troisième, on est dans les pompes. Soit vous le faites les jambes tendues, soit ici, je place moi un petit tapis, j'ouvre bien mes bras de chaque côté des épaules et ici le dos bien long, le ventre gainé, je viens effectuer mes pompes en flexion de bras ouverts. C'est le troisième exercice. Le quatrième exercice consistera à retrouver la partie cardio en montant les genoux aussi haut que l'on peut et en accélérant, d'où on va booster le cœur. Ensuite, le cinquième exercice, il vous faudra la chaise, chaise sur laquelle vous allez poser vos mains. Vos jambes seront fléchies, pieds un petit peu en avant, des genoux plus ou moins en fonction de votre capacité à remonter, puisqu'il va falloir fléchir en gardant le dos tout au long de la chaise. On fléchit les bras vers l'arrière et on remonte. Si on peine, on descend à moitié et on revient. Si c'est trop dur, on se place ici et on fait tout simplement des extensions de bras. Si c'est difficile, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est prévoir deux petites bouteilles d'eau que vous allez mettre dans les mains, si vous voulez rajouter un petit peu de charge. Et la dernière partie, ça sera la position de l'ours. On va placer les mains sous les épaules, c'est comme le 4-pack et les genoux sous les hanches. De cette position-ci, j'effectue une rotation en levant le pied qui se trouve derrière et je reviens au centre. Je repars de l'autre côté et je reviens au centre. Au début, on viendra toucher juste le genou. Et si on maîtrise, on peut ici ouvrir. Vous faites en sorte de bien garder la sangle abdominale toujours bien engagée. Voilà pour les six exercices. Alors, comment nous allons procéder? On va travailler sur 30 secondes. Sur 30 secondes, vous allez faire l'exercice. Et vous aurez 10 secondes pour récupérer. Marchez ou installez-vous sur le prochain exercice. Voilà, n'oubliez pas de voir. Au bout des 6 exercices, on aura une minute de récupération qui nous permettront de bien se poser et voir un tout petit peu puisque nous avons 3 passages à effectuer avant d'enchaîner avec le renforcement musculaire. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, buvez un petit coup déjà avant de partir. Moi, je vais mettre les gants parce que pour le passage au sol, ça glisse un tout petit peu. We'll be right back.
Je vais pas faire ça.
Dans les squats. Squat. 3, 2, 1.
Stop. One. Ok. Génial. On a les pompes. Three, two, one. Allez, c'est parti. Allez, je sais que c'est dur. On tient. Oh, attends, vous parlez. Yeah.
2, et le prochain tu bloques. Terminé. 4, 3, 2, petit mouvement. 4, 2, 3, tu relâches à peine pour compléter tout petit derrière. Allez, encore, ne lâche rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, encore 2, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier, et 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, bloc, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, descend 4, 3, 2, remontez, bloc, bloc, 2, 3, 4, descend en 4, 3, et pose tout doucement. Le bas du dos, et reviens en position 9. Inspire, souffle. Remonte une jambe, remonte l'autre, tend les deux jambes vers le plafond. Place les mains, ou les poings, sous le bassin, sous le bassin. Les jambes doivent rester à la verticale. Pointe les pieds. Petit croisé. Allez, c'est parti pour tout aller. Mouvement dynamique qui part des hanches. Deuxième saison. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4e. Placez le front ou la joue dessus. Inspirez, soufflez, avalez le nombril et décollez légèrement les pieds du sol. Les pieds pointés, les fessiers contactés. Ne lâchez rien, petit battement. Allez, c'est parti pour 6 séries. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur les côtes et sur le pubis. On ferme d'appui. Allez, 7. Et dernièrement, ne lâche rien.
Les épaules bien calées au sol,
les jambes à l'écartement du bassin, les pieds posés à plat. Ok, inspire, souffle, rapproche l'ombril de la colonne vertébrale. Ton dos est long et tu maintiens. Tu lèves légèrement la tête, tu places les bras de chaque côté et tu ouvres les bras. Tu gardes cette ouverture, tu regardes vers l'avant et tu montes lentement. Lève et redescends lentement en inspirant. Souffle, tu ne relâches jamais le ventre. Essaye de garder le creux au niveau du ventre et tu inspires, tu descends. Tu souffles et tu inspires. Allez, on monte en direction de la pointe des omoplates sans forcer avec les mains. On n'a même pas besoin des mains. Les mains sont juste là pour soulager la nuque. Encore. Il en reste 8, 7, 6, 7. Je vous rappelle de ne pas tirer sur la nuque si ça pose un problème. Si vous avez mal à la nuque, lâchez et montez les deux jambes et restez tout simplement ici en chaise renversée en gardant les genoux au-dessus des hanches. Avec les mains par exemple ici. Par exemple. Allez, continuez. La dernière série. 8, 7, 6, gardez bien les coudes ouverts, 7, regardez en direction de vos genoux, 4, 3, 2, dernier, est-ce que vous bloquez? Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vous êtes sur la pointe des omoplates petites. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, les derniers. 8. 4,
7, 8, et on revient. On repose le haut du corps, on remet les bras en soufflant, tu descends la jambe droite et tu gardes une jambe en l'air. Inspire, en soufflant tu remontes à nouveau et tu mets que le bras opposé derrière. Tu ouvres le bras du sol du côté du genou et tu amènes le coude simplement en répétition que d'un côté. Et hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toujours pour les oblis. Allez, 7, et 2, et 3, et 4, et 5, tu dois le genou opposé, 6, allez, 7, 8, plus que 8, 7, 6, 5, 4 derniers, 4, 3, 2, et là tu vas bloquer, 8 ans, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et oui, tu peux lâcher. Yes. Ok, prends le temps de redescendre lentement, inspire, en soufflant l'heure de la seconde. Ouvre le bras du sol sur le côté, décolle le haut en soufflant, place la main juste au-dessus de la nuque, et c'est parti. Rotation, ouvre bien ton bras. Le ventre serré. Allez. Deuxième série.
dernier, c'est la planche. Une minute de planche. On est sur les coudes et sur les pointes de pied. On place les coudes sous les épaules, histoire de changer un petit peu. Maintenant, si vous préférez les bras tendus, vous pouvez aussi. Placez les coudes sous les épaules, tendez les jambes, tendez l'autre. À l'écartement du bassin. Et top, c'est parti pour une minute. On replace vers le bas. Ventre serré. Tonique, je me repousse vers le haut. Juste dans le prolongement. Respire. Alors, on a 15 secondes. On ne lâche rien. N'hésitez pas à redescendre les genoux si vous traînez et allonger les points de pied si vous tenez. Il reste 15 secondes. Gardez les bras longs et lentement relâchez. Ne lâchez pas totalement la tête, gardez simplement la tête entre les bras. Éloignez les fessiers de vos mains vers l'avant, soufflez. Puis on va ramener lentement les mains vers les genoux et on va dérouler la colonne vertébrale. Je vais baisser la musique parce que là on va partir sur le stretch. On baisse. Voilà, tranquillement, j'ai pas. Sinon on va mettre une musique de stretch. Donc c'est pas grave. On va tout baisser la musique. On met toute la musique. Ok. Allez, on va se recentrer sur son corps. On va reprendre la position quatre pattes en posant les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches, vous allez inspirer le dos bien plat, descendre les omoplates vers les poches de pantalon, la nuque bien longue. Et en soufflant, vous allez rétroverser le bassin et vous allez arrondir le dos en lâchant la tête vers le bas. Lâchez complètement la nuque, le regard en direction du nombril. Faites plusieurs respirations en lenteur, inspirez par le nez. Puis soufflez, ouvrez les omoplates. Ok, on va maintenir la position du bassin au-dessus des genoux. Vous allez ouvrir les bras en V, que vous allez glisser dans le sol. Moi, ça ne glisse pas trop, donc on avance les bras. Et je vais descendre les épaules et la poitrine à la place des mains qu'il y avait au départ. En gardant le bassin, le fessier bien vers le haut. Inspirez, soufflez, étirement les sites pectoraux. Le dos est long, les bras sont tendus en ouverture vers l'avant. Avec l'image d'éloigner ses fessiers vers les pieds, alors que les mains ne bougent pas du sol sur l'avant. Attention de bien serrer le nombril pour ne pas creuser, pour garder juste une bande lombaire naturelle. La tête toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis lentement, revenez. Puis lentement, vos bras. Ok, on va placer juste le bout des doigts de chaque côté des pointes de pied. Les genoux, écartement du bassin, voire un peu plus large. Les pointes de pied se touchent, inspirez. Et en soufflant, serrez les fessiers, contractez les fessiers lors de la montée pour amener un étirement au niveau de vos cuisses. Attention de ne pas aller trop haut, là c'est pas bon. Il faut vraiment garder l'alignement genoux, corps, épaules. Ne relâchez pas la tête non plus. Gardez la tête légèrement plus haute pour ne pas avoir la tête dans le vide. Si jamais cet étirement est trop difficile, vous lâchez, vous oubliez et vous pouvez aussi vous placer sur le côté
ici et étirer de cette façon-ci la cuisse en amenant tout simplement le talon vers la fesse, la cuisse dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et bien sûr, vous ferez de même de l'autre côté. Prenez le temps. Allez, prenez le temps de bien étirer. Changez de côté. Gardez le fessier contacté, le ventre serré. Et venez vous asseoir à nouveau sur vos talons. Ok, on change la position. Je vais rester deux pieds de façon à ce que vous puissiez voir. On va placer une jambe tendue devant, tandis que le genou, le bassin va rester au-dessus de l'autre genou. Alors, je vais changer de jambe. Je vais placer celle-ci. Comme ça, vous verrez que ici, ça tient bien. Ici, je vais placer la jambe tendue avec une pointe de pied bien relevée, pied flex. On va inspirer. On va avaler son nombril. Ici, les bras le long du corps. Et en soufflant, on va amener de la tête jusqu'au bassin, on va éloigner le bassin vers l'arrière, faire ce qu'on appelle une antéversion, pour amener le buste en flexion vers la jambe. Possibilité de poser une main, deux mains au sol, ou bien la main sur le haut de la cuisse, mais certainement pas au niveau de votre genou. Le tendon est déjà bien tendu, en extension, pas la peine de heurter, ou sinon vous venez poser au-dessus du tibia. Si vous êtes souple, posez au sol, inspirez, soufflez. Éloignez les fessiers vers l'arrière, gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et allez même plus bas. Le but est de sentir l'étirement sur toute la chaîne postérieure de la jambe. Ok, on va ramener un tout petit peu la jambe, on va la fléchir. On va garder le genou au-dessus de la cheville et là tout simplement on va placer les mains sur le bassin ici et on va faire une rétroversion. Pour étirer ici au niveau du psoas, inspirez, soufflez. On rajoute une couche par rapport à la position des jambes levées. Inspirez, soufflez. Bon, ben nous allons faire la deuxième jambe. Donc, même procédé. Le bassin au-dessus du genou, la jambe tendue, le pied flex. Inspiration, avale le nombril. Maintiens le nombril serré, nuque longue. Lâche les bras le long du corps et lentement la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Effectue une flexion de buste en avant en éloignant le bassin vers l'arrière. Dès que vous pouvez prendre un appui, prenez un appui au sol, sur le haut de votre cuisse, sur le tibia. Inspirez, soufflez pour les plus souples les mains au sol et replacez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Sentez l'étirement tout au long de l'arrière de la jambe, du mollet jusqu'au fessier là en haut. Gardez bien la pointe de pied vers vous, gardez bien le dos long, ne crispez pas au niveau des cervicales. Allez, inspirez bien par le nez, essoufflez par la bouche, la respiration est importante, et puis tout doucement ramenez les jambes dans le pied, redressez-vous. Amenez le genou au-dessus de la cheville, ce qui amènera le bassin vers l'avant. Placez vos mains sur le bassin, le haut du bassin. Et en soufflant, rétroversez le bassin pour étirer ici au niveau du psoas. Ouvrez la plage thoracique aussi. Inspirez, soufflez. Ne desserrez pas le ventre, sinon vous allez creuser au niveau du dos. Si vous ne sentez pas suffisamment l'étirement, n'hésitez pas à reculer le genou arrière pour avoir plus d'amplitude et sentir un peu plus au niveau de l'aine. Ok, et on va revenir. On va placer la jambe un peu plus près, placer les deux mains dessus et remonter tout doucement. Je vais passer derrière le tapis. On va ouvrir les jambes de façon large. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et là, tout doucement, on va ouvrir, on va faire une flexion de jambe en ouvrant les genoux sur le côté. On va placer coude contre genou et ici, main en prière et on va repousser les coudes vers les genoux. Inspirez, soufflez, le dos est long.
Le bassin est à la hauteur de vos genoux. Inspirez, soufflez pour étirer les adducteurs. Allez, courage. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Encore une, deux respirations. Puis lâchez lentement, posez les mains au sol. Remontez lentement le bassin vers le haut en plaçant les pieds parallèles. Lâchez bien la tête. Et profitez-en pour refermer les pointes et les talons. Écartement du bassin, pliez les jambes, mains sur les cuisses et déroulez la colonne vertébrale. Remontez les bras en inspirant. Essoufflez. Inspirez, gardez le dos long. Essoufflez. Inspirez. Et là, secouez les poignets. Et la séance est terminée. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien travaillé chez vous, que vous avez bien transpiré tout comme moi. Et on se donne rendez-vous à la prochaine séance. Au revoir tout le monde.